Bienvenue sur Angers Télé pour ce dernier JT de la semaine. Tout de suite, le sommaire en images de cette édition du vendredi 23 octobre. On revient sur le site de la Petite Pignonnière, près de Biopôle. Une quarantaine de personnes s'y sont rassemblées ce vendredi midi pour exiger la réouverture de cet ancien squat. En août dernier, cette maison accueillait une vingtaine de Somaliens et d'Érythréens, des demandeurs d'asile, et qui sont désormais à la rue. L'endroit est la propriété d'Angers-Loire Métropole qui en empêche désormais l'accès. C'est une situation ubuesque pour ces militants des droits de l'homme. On demande impérativement que cette maison soit ouverte parce qu'il y avait de l'eau, l'électricité, toutes les conditions d'accueil requises. Alors que l'État n'applique pas la réglementation de la Convention de Genève et donc où ils doivent effectivement être accueillis et avoir un toit. C'est l'État qui est hors la loi. C'est la préfecture qui est hors la loi. C'est la municipalité qui est hors la loi. C'est la communauté de communes qui est hors la loi. Cette maison qui appartient à la communauté de communes est vide, alors que des gens, actuellement, il y en a plus d'une trentaine, qui vivent dans les parkings souterrains à la rue. Ce qui est un vrai scandale aujourd'hui.